Through the fire, smoking broken rubble. Walks the secret life, bulletproof and bulging muscle. Death defying, highest flying over trouble. Can you please come and help us out of hopeless struggles? Sympathy is wearing off and dying out. In the face of all these enemies. Eh bien, ce tournoi consiste à réunir en une seule journée, en général le dernier week-end du mois d'août ou le 1er de septembre, le plus de partenaires du hack football possible autour du plaisir de jouer ensemble au football, d'un tournoi amical. 18 équipes représentées, 18 sociétés partenaires du hack, près de 180 joueurs, une cinquantaine de spectateurs en plus. Donc voilà, autour de cette journée, créer un événement amical qui fédère, qui lie, qui nous unit autour de la même passion, que sont à la fois le hack, le football, l'amitié et le plaisir de se retrouver par une belle journée ensoleillée à taper dans le ballon. Ma motivation, c'est surtout la convivialité, hein. C'est vraiment un tournoi où tout le monde s'amuse, où les familles sont invitées, les enfants peuvent côtoyer les professionnels lorsqu'ils viennent nous voir vers midi. Et puis bah, je vous dis, tout cet esprit de groupe, d'équipe, ce qui fédère le club 1872 aujourd'hui. Quoi. Tout au long de l'année, on essaye d'animer et de faire vivre ce club des partenaires qui regroupe plus de 200 sociétés autour du hack football. Et donc d'autres événements viennent tout le long de l'année, comme un tournoi de bowling pendant l'hiver, un tournoi de golf au printemps. Vous allez avoir aussi des déjeuners, des petits déjeuners avec le président, le maire, l'entraîneur. Voilà, différents événements qui vont également nous aider à mieux connaître le fonctionnement du hack et de ses structures. Et que le hack aussi nous connaisse un peu mieux, nous, partenaires. Donc un moyen de nous faire connaître entre nous, un moyen de mieux connaître le club et que le club nous connaisse mieux pour pouvoir répondre aussi à nos besoins. C'est une autre occasion que de se voir que dans les salons. Parce que dans les salons, souvent, bon, on parle quand même un petit peu affaire. Et là, bon, bah là, y a que le foot, rien que le foot. Voilà, bon, donc c'est pour ça qu'on vient et qu'on revient tous les ans.